samedi matin, donc demain je fais le triathlon M de 20 sur Karami. Donc c'est juste derrière, au-dessus de hier là-bas. Donc on a fait une heure de vélo, 30 km, avec un petit déblocage 20-30 minutes à l'heure course. Et puis après j'ai enchaîné 2 km en 4-15. Donc j'ai essayé de faire vraiment allure course aussi pour répliquer un peu ce qu'on va avoir demain. Donc je me sens bien. Je pense que ça va être une bonne course et j'ai hâte d'y être et de me faire mal. T'es un premier supporter là-bas. Le chat il s'arrête pas de miauler. Il est sur le tour. Et oui, on arrive. Post-enchaînement. Banane, date, sucre, lait d'amande. Et c'est reparti encore. Oui. Encore. Encore. Va, viens. Moi, je m'en fous, maintenant, j'ai le kit de supporter. Allez, bonne course, merci. Sans combi. Bon, petit résumé à chaud. Nat sans combi, donc pas des sensations terribles, mais j'ai fait du mieux possible. Je sors deuxième de l'eau, pas loin derrière la première. Et vélo, c'était vraiment dur avec le vélo de route. Comparé à un vélo de triathlon, j'ai perdu beaucoup de temps, quoi. Mais j'ai quand même appuyé, je me suis fait mal aux cuisses, je me suis dit que ça me ferait toujours une bonne séance et il faut pas lâcher, on sait jamais si les filles de devant elles lâchent, mais elles ont pas lâché, elles étaient plus fortes que moi. Et course à pied, c'était très dur aussi, que du vallonné, il y a 300 mètres de dénivelé, je crois. Mais je rattrape quand même une fille sur la fin, donc je finis quatrième. Ça fait une très bonne séance et je suis fière de moi parce que j'ai pas lâché et j'ai fait du mieux possible. Et il faisait chaud quand même sur la fin de la course à pied, il a manqué un peu d'eau et dans les bosses sur la fin là, ça tapait. Post-course.